Ça va ? Mais qu'est-ce qu'il leur faut là ? Ça leur suffit pas les habits ? Non mais laisse tomber, on serait connus là, ils nous déroulaient le tapis rouge. C'est quoi ? Mais c'est une putain d'idée ça en vrai frère. Oui quoi ? C'est quoi ? La prochaine fois je passe en premier. Si tu vois que je galère un peu, t'arrives et tu fais les armages, je suis connu. Tu me prends en photo et tout, je sais pas, il faut qu'on trouve un truc, mais ça peut cartonner ça. Bah vas-y, essaye. Mais non ! Obama ! Yes, 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 weekend. Obama! Mais frère, tu peux pas dire Obama, tout le monde sait c'est qui Obama? Mais Obama, c'est un président, ça tue! Ouais, ça tue, mais tout le monde sait c'est qui Obama? Mais c'est la classe! C'est la classe, c'est sûr! Il faut que tu trouves quelqu'un de moins connu! D'accord, donc vous êtes membre du club. Voilà. Bon, je viens pas tous les jours non plus, mais c'est vrai que... Mais non! J'adore tout ce que vous faites! Ah, merci beaucoup, monsieur, merci. Super sympa. Balogi! Ouais! En fait, je fais grave de trucs, je fais beaucoup de trucs. Vous connaissez pas? Mais c'est qui ça, Balogi là? Personne connaît là! Mais mec, t'es sérieux, c'est un rappeur hyper connu au Congo. Au Congo? Bah oui, il a joué sur lui dans FIFA. Tiens, d'ailleurs, tu me pensais à un truc là. Ouais. Ton rappeur du Congo là, ouais. C'est un Congolais? Bah ouais. Tu peux arrêter les noirs, s'il te plaît? Bah pourquoi? Ok, attends, tu veux que je te dis ce qui est, alors viens, on se met d'accord maintenant. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a un truc qui va pas. Soit les gens ils sont connus ou ils sont pas connus quoi. Et quand les gens ils sont connus, ils voient bien que c'est pas ma tête quoi. Ouais, faudrait que je dise genre que t'es un Daft Punk ou un truc comme ça quoi. Ou un Power Rangers quoi. Non, mais en vrai c'est une putain d'idée ça, Djibou. En vrai, des gens connus qu'on connaît pas leur tête, ils doivent en avoir plein. Faut juste qu'on trouve des gens moins gros que les Daft Punk. Et on a qu'à dire c'est nous. Bah vas-y hein. Ah ça y est, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un de super connu, mais personne sait vraiment qui c'est parce qu'il a toujours une cagoule sur lui. Bah super. Ouais, aux États-Unis, ça parle tout le temps de lui. Trop bien, c'est quoi? C'est un terroriste qui a son actif plus de 12 attentats, fondateur de... Ouais, non, ça va pas le faire, parce que... Moi, ça, j'en ai trouvé un pas mal chou. C'est un street artiste, en fait. Il a 1,3 million sur Instagram. Et pareil, il a jamais montré sa tête et tout, quoi. Frère, c'est une putain d'idée. C'est trop cool, on va se faire passer pour des artistes super cool. Ça va être cool, frère. Artiste hype. Hype, artiste hype, ouais, voilà. On va bien les niquer ces cons de riches. Tiens, regarde, c'est combien il a vendu ce tableau, là? Je sais pas, non. 230 000 euros, mon frère. Mais moi, ça, je sais le faire, ça. Frère, on va faire des trucs comme ça et on va leur prendre tout leur argent. Ils vont rien comprendre du tout, je te le dis. On va bien les niquer. Alors, comment vous est venue cette idée d'être artiste peintre pour la cause féministe? Ah, vous savez, c'est deux choses qui m'ont toujours énormément intéressé, vous savez. Le féminisme, la peinture. Enfin, je pense même qu'ils sont indissociables l'un de l'autre, vous savez. Quand on y pense, une grande part de l'iconographie occidentale est noyée par des réflexes qui sont patriarcaux. Et moi, je pense que c'est le rôle d'un artiste, oui, voilà, c'est le rôle de déconstruire un petit peu ces éléments fondateurs du vocabulaire auxquels nos yeux se sont habitués. Les yeux s'habituent comme des sortes de petites habitudes, en vrai, en quelque sorte. Je vous resserre un peu de vin, Nicolas ? Oui, avec plaisir. Ah, vous êtes impressionnant, hein ?